Je souhaite la bienvenue à notre conférence de presse, à notre lancement de notre soirée annuelle, comme nous faisons depuis plusieurs années. Cette année, un peu de changement. On revoit un peu la formule. Nous allons avec une soirée burlesque. Vous connaissez la réputation déjà des soirées du service d'entraide. Ça va être encore à la hauteur et même dépassé, j'en suis certain. Soirée burlesque cette année, des surprises. Venez voir ce qui va arriver de spécial tout au long de la soirée. Cette année, nous avons avec nous le centre La Fontaine, groupe Maison Courtemanche, qui est un traiteur de Saint-Jérôme, qui nous aide cette année. C'est une belle soirée pour aider le service d'entraide. C'est quoi le service d'entraide? Annuellement, c'est 400 familles avec des dépannages d'urgence que nous aidons. Ce n'est plus que des gens qui sont sur l'aide sociale. C'est des travailleurs, des travailleuses qui n'arrivent plus à payer les frais seulement pour vivre, l'électricité, l'épicerie qui augmente et qui augmente et qui augmente, tous les loyers qui sont aussi en augmentation. La ville de Saint-Lin-Laurentide, c'est la plus grosse ville de Lanaudière. Ça paraît pour un service d'entraide parce que les demandes aussi augmentent. Le service d'entraide, c'est une cause qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas passer à côté. C'est très important. C'est des enfants, des aînés, c'est nos frères, nos sœurs qui ne mangent pas, qui ont de la difficulté à remplir leur frigo. Donc, on vous attend le 18 mai. Il va faire beau, avec plein de surprises. Les billets sont au coût de 125 $ le billet, donc 1 000 $ pour une table de 8. Personne. Vous allez avoir un service impeccable comme à l'habitude et puis un tirage qui va avoir lieu durant la soirée. Remercier surtout nos commanditaires parce que vous savez, sans eux, on n'est pas capable de faire un événement. Caisse Populaire qui a commandité cette année une partie du voyage. Centre de Quilly-Lafontaine et groupe Courtemanche, Fleur d'époque qui commandite nos centres de table. On a la Bébite à sucre qui commandite autre chose, les boîtes, je crois. Et on est toujours à la recherche d'autres commanditaires et des dons. Et on vous remercie aussi surtout d'être là aujourd'hui parce que si vous êtes là, c'est parce que vous croyez vraiment à notre cause. Encore cette année, la soirée pour le service d'entraide est d'autant plus importante. Vous le savez, on est tous victimes de ça. Le coût de la vie augmente énormément. Il n'y a pas personne qui se sauve de ça. Donc, c'est une belle soirée burlesque. Sortez vos paillettes, vos plumes, puis vos petits chapeaux. Thématique de la un peu folie aussi, comme Dominique dit, beaucoup de belles surprises. Ça nous brûle les lèvres de vous le dire, parce que c'est vraiment de quoi qu'on a de très exceptionnel qu'on a cette année, qu'on n'a jamais eu sur les années précédentes. Donc, c'est vraiment de quoi de fantastique. Fait que c'est vraiment une soirée à pas manquer, puis qui, en même temps, est pour vraiment une excellente cause, c'est de mettre fin à la faim. C'est vraiment ça notre mission principale au service d'entraide. Tout simplement vous inviter, comme à chaque année, venez vous amuser. Je pense que tout a été dit. Oui, on peut redire qu'on a des gens dans le besoin, des familles monoparentales, des personnes âgées. On a beau le répéter, mais c'est notre réalité. Saint-Lin, je pense qu'on est une communauté qui se tient. Et quand on a besoin d'aide, ben la communauté est là. Merci aussi à tous nos commerçants qui viennent nous donner un gros coup de pouce là-dessus. Chapeau! Et je pense qu'on a des villes qui nous envient de l'entraide qu'on a ici à Saint-Lin. Chapeau tout le monde. Merci. Vous savez, la soirée burlesque, là, c'est plus qu'une soirée. T'sais, on vous demande des dons, on vous demande des commandites, on vous demande des achats de billets. Mais c'est surtout qu'on vous demande de nous tendre la main. Tout le monde qui est là aujourd'hui est en contact direct avec le service d'entraide. Que ce soit dans la rue, à l'épicerie ou même dans la machine à café au bureau, il y a des gens qui ont besoin du service d'entraide. On est en contact perpétuel avec eux, puis ces gens-là, ben, c'est des mères monoparentales, c'est des aînés, comme Joanne disait, c'est des familles, c'est des gens qui ont une bad luck dans leur vie, puis qu'ils ont vu leur vie s'écrouler, tu sais. Malheureusement, peut-être que dans 2, 3 ou 4 ans, ben ces gens-là qui viennent cogner à la porte, ben ça va peut-être être vous, ça va peut-être être moi. On n'est pas à l'abri de ça. Le futur, on ne le connaît pas. La cause du service d'entraide avec la soirée de burlesque, c'est une façon que vous avez de nous tendre la main pour qu'on puisse ensemble pouvoir leur tendre la main à eux, puis venir mettre un baume sur leur mal-être puis sur leur mal de vivre, parce que cette période difficile-là, ben ils la vivent tout seuls.
l'équipe du service d'entraide travaille d'arrache-pied pour être capable de mettre du bonheur puis de mettre un baume sur tout ce mal-être-là. La soirée burlesque, que ce soit en don, en commandite, que vous soyez avec nous durant la soirée ou simplement que vous faites aller dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ça se partage, que ce soit dans vos réseaux de contact, dans vos réseaux d'entreprise, c'est une façon que vous allez de mettre une brique, dans le fond, sur le mur, puis qu'ensemble, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Puis j'espère que vous allez être en grand nombre avec nous durant notre soirée burlesque, parce que je vous le garantis, ça va être une soirée exceptionnelle, exactement comme on vous livre à chaque année. Fait que j'espère qu'on va voir en grand nombre.